Salut à vous YouTube, bienvenue sur la suite de Rust, notre aventure absolument incroyable. Donc j'ai ramené les coffres ici, enfin j'en ai fait, je les ai ramenés. Là on a nettoyé un peu notre stuff. On va maintenant faire un petit feu de camp chez nous parce que bon, hein, voilà, on va le mettre ici. On va y mettre le feu. Voilà, on va cuire nos petits blancs de poulet. Et ensuite on partira à l'aventure. Alors le problème... Je viens d'y penser, je n'ai plus de torche. Voilà. Donc moi je voulais partir à l'aventure la nuit pour essayer de récolter du bois et de la pierre. Le problème, c'est que je n'ai plus de torche. Et du coup, et bah c'est relou parce que. C'est relou parce que je ne sais pas comment on en craft une. Comment on craft une torche? Je crois pas qu'on puisse en crafter une en fait. Nanana, item. Je crois que j'ai jamais vu un craft de torche. C'est même pas dans les objets communs donc. Oh, ah, c'est relou. C'est méga relou. On peut faire des pièges à ours. C'est bien ça. Ça fait bien mal ça, c'est parfait. Ben, je crois que je suis baisé. Ah, on peut faire une lanterne. Sauf que. J'ai pas assez pour en faire une. On peut faire un lit! Ah, je vais apprendre à faire un lit. Je vais apprendre à faire un lit. Et un grand fourneau. Ah, trop bien. On est pas mal là. Faut quoi pour faire un lit? Crafting. Item. Un lit. Il faut des tissus, des fragments de métal. Je crois que j'ai ça, non? Peut-être pas de tissu en fait. C'est quoi ça? C'est marqué où c'est quoi? La roche contre le métal et ah! Minerai de métal. De haute qualité. Mais je crois que c'est du tissu que j'ai pas en fait. Ah bah si j'en ai. Donc si je prends ça. Et ça. Minerai de métal. Puis je me fais un lit. Là il faut des fragments de métal. Juste des fragments de métal. Pas de haute qualité. Donc c'est de la daube. Donc on va reposer ça. Mais je crois que j'en avais du fragment de métal. Minerai de soufre. Fragment de métal de haute qualité. J'ai pas juste du fragment de métal classique. Je pensais que j'en avais récupéré plein pourtant. C'est bizarre. Oh putain merde, j'ai oublié de récupérer ça. Oh non. Putain, il est cramé. Oh non, il est cramé. Il est cramé. Oh non, il est cramé. Bon, j'ai dit cramé. Oh non. Quel débile. Je l'ai fait cramer. J'avais oublié. Bon bah du coup, mais c'est bizarre quand même, je suis persuadé d'avoir des minerais de métal, mais en fait c'est des minerais de soufre qu'on a beaucoup. Bon tant pis, il y avait quoi d'autre que j'ai appris à faire du coup? Je m'en vais manger, j'arrive pas à me faire un chemondeur à demain. Ah merde c'est vrai. Bah écoute, à demain. Enfin demain je live pas en fait, hein. On est jeudi. Donc vendredi je live pas. Hein. Sauf exception. Donc à demain, non. Enfin, pas en live quoi. On va manger un petit là. Voilà, ça fera du bien. Puis un petit peu de chocolat aussi. Chocolat, c'est bon. Bon, ouais, c'était la torche que je voulais chercher. Voilà la lanterne. Mais du coup, la lanterne, il faut du. Enfin, c'est super compliqué à faire. Il faut du pétrole et tout, laisse tomber. Il faut encore des fragments de métal. Mais je pensais que j'en avais, mais fragments de métal. Trop bien, faire une cible réactive. Lol. Petit collecteur d'eau. En fait, il faut des fragments de métal pour tout quoi. Ah c'est ça que je voulais faire un digicode. Bon. Ça me sert à rien. Voilà, je vais enlever là pour l'instant, c'est très bien. Hop. Bah écoutez. On y va. On part à l'aventure. Sans torche, c'est pas grave. Quand il fera vraiment nuit, on rentrera. Pour l'instant ça va. Donc il nous faut du bois et de la pierre. Ah bah tiens! Mais juste chez moi. Minerai de haute qualité. Minerai de soufre. Minerai de métal. Ah! Minerai de métal, ça ressemble à quoi? Ah! Mais j'en ai plein de ça en fait! Donc c'est bon. Certains quittent le lac pour aller manger les vrais restes et font à manger en même temps. Putain! J'avoue! Alors là, c'est vrai. Bon, on a du minerai de métal. Maintenant, on sait qu'on en a, donc on pourra faire notre lit. Donc ça c'est important. Parce que ça c'est. Ça tu vois.
Tu peux avoir une maison, ça tout le monde peut l'avoir. Mais mettre le lit dans ta maison, c'est vraiment, tu vois, dire ça y est, c'est chez moi, tu vois. Ici, c'est chez moi, c'est ma maison, j'ai mon lit, tu vois, c'est. Il y a un truc qui se fait quand tu fais ça, tu vois. Manger, c'est pour ceux qui ont faim. Alors, je pense que tu as une déduction assez incroyable et tu devrais t'engager dans la police. Pour devenir un détective ou un truc comme ça, parce que là, franchement. Voilà. On atteint des sommets assez incroyables. C'est pas mal tout ça. Moi, j'ai récupéré des tissus aussi. Alors, maintenant. Le vrai exercice, en fait, ça va pas être de récupérer des ressources, ça va être de retrouver notre maison derrière. Parce que j'ai une très 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 mauvaise orientation dans les jeux vidéo. Dans la vie de tous les jours, ça va. Mais alors, dans les jeux vidéo, je suis une grosse brêle. C'est terrible. Mais pour l'instant, ça va. Hein. C'est juste derrière moi, ça va, c'est pas loin. Pas non plus me prendre pour un connard. Voilà. Ça se passe bien, pour l'instant. En tout cas, ça donne vachement de voix, ce truc, c'est cool. Je pensais pas, mais c'est des petites armes, mais en fait. Eh! En fait, pas mal. Imaginez un jour dans Rust, les arbres ils disparaîtront pas juste comme ça, juste ils se coucheront, comme dans la vraie vie, ce serait tellement bien. Mais qu'ils font aucun effort sur leur jeu. Too hot. Ouais, il fait 44 degrés, c'est un peu chaud, c'est vrai que c'est un peu chaud. Ça a pas vraiment d'influence sur ma santé en fait. Bon, bon. C'est un ours là-bas ou c'est un cochon? C'est un cochon. Parce que j'ai vu qu'il y avait un ours qui rôdait dans le coin, donc faut que je fasse super gaffe. Parce que là, du coup, non, je me suis remis à fond, c'est bon, tranquille. Tranquille, tout va bien. En fait, le soleil est encore haut, pardon. Donc ça va. Ah oh merde, truc est cassé. Ah j'en ai pas refait une. Oh, mais quel connard. C'est pas grave, je peux en faire une. C'est pas grave. C'est pas grave. On va attendre un peu. Au pire, on va tuer lui. Bim. Tu voulais boire? Bois ça, mon gars. Le problème, c'est que j'ai pas de trucs pour le dépecer. Je peux pas récupérer ma flèche? Merci. Du porc! Du cochon! Du cochonnet! Blanc de poulet! Du porc! C'est monsieur porc! Ok, parfait! Je pille les ressources! C'est de la pierre qu'il me faudrait aussi en masse parce que le truc c'est que j'avais besoin de pierre pour faire mes murs. En faisant un pas de toit à ma maison, en fait, je sais pas si c'est possible de. Je sais pas si c'est possible d'enlever. Enfin, genre, comme dans Minecraft, genre de détruire et de récupérer les ressources. Ou alors c'est mort. Mort, mort. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Ça me fait un peu peur parce que. Tu vois, j'ai pas envie de me dire, ouais, là je fais un toit pour me protéger, mais si j'ai envie de faire un étage, ça se passe comment, tu vois? J'en sais rien du tout. C'est la catastrophe! C'est la catastrophe! Mais trop vénère, quoi. Est-ce que là-bas c'est pas l'ours? Je crois que c'est l'ours là-bas. Le mini-arbre! Mini-arbre pour du mini-bois! Oh, putain, c'est l'ours. Il m'a pas vu. Il faut que je me casse. Hein. Franchement, je prends pas le risque. Il m'a vu. Oh, il me fonce dessus. Oh, non, 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 je veux pas mourir. La technique, on m'a appris la technique. Il est où? On m'a appris la technique pour battre les ours. Il fallait monter sur les cailloux. On me l'a dit. On me l'a dit cette technique. On me l'a appris. Tiens, va crever! Salope! J'ai plus de piège, j'ai plus de. Oh, c'est pas grave, je lui balance ça, je m'en bats les couilles. Le mec, il lui balance tout ce qu'il a. What the fuck? What the fuck? Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait?
Mais pourquoi il rentre dans le truc là? Mais lâche-moi! Je m'en fous, je vais fabriquer des lances en chaîne et je vais lui balancer. Putain, mais casse-toi! Laisse-moi tranquille! What the fuck? Mais putain, pourquoi il est dans la pierre? Pourquoi il est dans la pierre? Mais putain, casse-toi! Bonjour Neptor et quoi? Audio computer. Audio computer. Audio computer. Bienvenue à toi. Bienvenue à vous deux. Putain, mais attendez, il est où? Mais regardez, il est dans la pierre! Cheater! Comment je suis censé le tuer là? Déjà, il a pris 1 milliard de. Oh! Oh pardon, mais là c'est la joie. J'ai tué l'ours. J'ai tué l'ours. Ah, ma joie est. Ah, je suis trop content. Tu joues sur quel serveur? Je sais plus comment il s'appelle. C'est un serveur au hasard. Les voisins Gimmy, je crois qu'il s'appelle. C'est bizarre comme nom quand même. J'ai tué l'ours. Ça y est. Le mec il a dit bonjour tout le monde, t'es bourré écrit comme ça et après il fait t'es célib c'est le dia. Déjà qu'il dit que c'est une fille. Bon après c'est pas grave, tu peux être attiré par des gens du même sexe. Peut-être que toi tu es une fille d'ailleurs, j'en sais rien d'ailleurs. Enfin c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Oh, j'ai tué l'ours quoi. Putain j'ai tué l'ours. Hein, la puissance. La puissance. Ah. Bon, voilà, je suis content. Je suis ouvert à toute proposition. Ah bah écoute, c'est parfait. Je pense que tu es très beau. J'en perds mes mots, tu vois. Je pense que tu es au bon endroit. Ici, il y a une très très forte, un très très fort taux de relation amoureuse qui a débuté ici, tu vois, sur ce live, sur ce stream. Beaucoup de gens ont trouvé l'amour. Voilà, c'est un peu. C'est pas non plus que grâce à moi, évidemment. Mais j'ai joué un rôle particulier. Je passe mon tour. Ah, bah écoute. Mais si elle est déjà prise. Malheureusement. Eh oui. Parce qu'elle a déjà trouvé l'amour, elle. Il est où, marteau? Mais, je l'ai posé. Posé. Ah, je l'ai posé! Oui! Je l'ai posé! Ah oui, incroyable! Ah, il faut que je fasse le lit! C'est pour ça, gros! Le lit! Il est où? Sac de couchage, bon bah écoute, je vais faire un lit. Quoi? Fragment de métal, 100 fragments de métal. J'en ai combien? J'en ai 4. Mais. Ah, c'est des minerais! Oh, il faut des fragments de métal! Oh là là! C'est de la merde! Oh non, je suis déçu. Oh, je suis ultra déçu. Oh. Oh, je suis tellement déçu. Oh. Oh non. Oh, je suis ultra déçu. Oh. Oh. La déception. Bon, tant pis. Bon, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis inscrit sur Badou. Moi c'est Tinder, ton serveur web dans 1 heure, non. J'en sais rien du tout, franchement, franchement, je savais même pas ce que c'était le wipe avant qu'on vienne me le dire, tu vois. Faut pas croire, hein, c'est des premières fois que je joue à Rust, hein, faut pas non plus, voilà. C'est là, ton homme n'est pas là, donc il saura pas. Ah oui, il le saura forcément, ça c'est vrai. Il regarde le rediff. Il regarde les rediff, donc il saura en fait. Mais du coup, je fais quoi tout mon bordel là? Je continue à construire mes murs. T'as un petit portugais. Améliorer en pierre. Améliorer en pierre. Ah putain, je veux déjà plus, mais t'es sérieux? Mais c'est insupportable! Mais c'est insupportable quoi! Comment c'est cher, la vie! Viande d'ours cuite. Ah ouais? Des gens comme ça?
Ah, poulet. Poulet. Putain, c'est bon, ça a l'air bon ça. Ah, quel plaisir de bouffer cet ours là qui m'a cassé les couilles pendant super longtemps. Je suis heureux. Je sais pas ce que vous racontez. Vous avez l'air bien énervé. Puisque je bruit, calmez-vous. Hein. C'est chiant de pas faire des torches. C'est dommage ça. Pas crafter une torche, c'est quand même fou. Dans ce monde, on peut pas crafter une torche. C'est quand même. Voilà. C'est quand même incroyable! Bah, du coup, je veux faire mon sac de couchage, moi. Je pouvais faire un sac de couchage, non? Sac de couchage. Allô? Craft. Pas grave, hein, ça fait un peu pauvre, mais c'est pas grave, tant pis. Tant pis, on aura un sac de couchage, puis c'est tout. Poudre à canon, Joseph. Est-ce que les fragments de métal, ça se crafte pas par hasard? Je pense que non. Tu seras bien sur Twitch sinon, what the fuck? Je sais pas, peut-être qu'on vit ensemble et que du coup, je peux faire ce que je veux. C'est vrai ça. Alors, on vit pas ensemble, mais c'est vrai. Viens vivre avec moi. Mais écoute. Mais dis donc. Il y a des gens bien déterminés ici. Un poncho! Je peux faire un poncho. Faisons un poncho. Les ponchos, c'est la vie. Les ponchos, c'est la vie. Oh, merde, la viande! Oh, j'ai niqué la game. La viande. Viande d'ours brûlée. Oh non! J'ai fait brûler l'ours. Viande d'ours cuite. M'en fous, j'attends là. Allez, c'est parti, on se connaît pas, mais allez. Allez! Eh ben, je propose qu'on aille tous vivre ensemble. Je propose qu'on aille tous vivre ensemble et que Neptor, eh ben, il nous file son numéro de téléphone et qu'on s'envoie tous des dick pics et que voilà, c'est la fête au village et que tout aille bien et incroyable. Je sais pas, il cherche apparemment des relations de type matrimonial et tout. Oh, bah, je sais pas, on va voir avec lui. Ah, on peut plus s'amuser. Ouvrir. Non, mais. Ah, ouais, ça c'est un bon numéro, ça. Tu vois, si elle, c'est une meuf, elle a pas froid aux yeux. Elle balance son numéro direct. Tu vois. Mais non, mais pas dans le four! Est-ce que le poncho? Quoi? Le poncho? Ah, oh! Que j'ai fière allure. Mais voilà, avec ça, j'aurais moins chaud. C'est parfait. Faut pas que je fasse brûler la viande. La viande ne doit pas brûler. Non, attendez. On va poser tout ce bordel. La viande. Le sac de couchage. Très important, le sac de couchage. Très très important. Alors, dormons au coin du feu, évidemment. Renommer le sac de couchage. Eh ben écoutez, je propose qu'on. Vu qu'apparemment il aime bien dormir avec des gens, on va l'appeler Neptor. Voilà. Neptor 111. Moi je pense que. Voilà, c'est pas mal. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça. Ramasser cet objet. Attribuer le sac de couchage à un ami. Mais ça à quoi en fait? Pas dormir dessus? Ça sert à rien. À confort. Oh waouh! Ah oh, waouh, je suis. Ah non! Viens de tous brûler. Merde, j'ai encore brûlé le truc. Ah non, putain, mais si j'ai encore brûlé le bordel. Mais putain, mais je suis vraiment un connard, quoi. Vas-y, je vais mettre 232 bûches, ça va être calmé là le feu. Il va rester allumé là, ça très bien. Malala. Passe-moi ta dame, Inara, je vais m'occuper d'elle. Alors calme-toi tout de suite, mon gars. Tu sais pas quand tu t'attaques là. Je pense que tu sais vraiment pas dans quoi tu t'embarques. Je te propose de garder ton calme. Parce que ça va pas se passer comme tu penses en fait. Ah, il a 20 ans! Ah, la jeunesse. Je prends qu'à partir de 21, bah oui. 10 de moins que Sielda, j'avoue. C'est exactement ça. Là, j'ai un détail tant que le plaisir est là. Oh, tu sais. C'est pas forcément. Voilà quoi. Je pense que c'est cette dame qui va te calmer.
Effectivement, je pense que tu sais vraiment pas à qui tu t'adresses, mon pote. Amicalement, bien sûr, je respecte. Mais j'espère bien, oui. Le respect, c'est primordial. Il faut que j'aille récupérer de la pierre, là encore. J'aime bien quand vous venez sur mon live comme ça, je trouve ça amusant. Vous me divertissez. Toi, c'est moi qui est censé vous divertir, mais finalement, vous vous rendez pas compte que vous avez le plus grand pouvoir du monde. Vous êtes les gens qui font tout. C'est beau quand même. Je parle pas de vous, je parle de ma maison. Ma maison est belle. Vous êtes. Est-ce que vous êtes quoi? Bon. Allez, voilà, on a fini. On va laisser le feu allumé parce que bon, ça fait de la lumière, c'est joli. J'entendais dire calme-toi, tout ça. Elle est tout le temps aussi nerveuse. Elle est pas nerveuse. C'est juste qu'elle est un peu tatillon sur le respect, tu vois. On va dire ça comme ça. Alors, je vais split ça en deux. Hop. Comme ça, on va faire un truc de fou. On va faire deux feux de camp. Plus de lumière. Ah, ça y est, ça va être la bataille. Moi, je compte les points. Nanana. En fait, c'est bien de pas avoir fait de toit. Ça, je m'intoxique pas. Je m'intoxique pas. Hein, bien sûr. Pas même parler de la France en ce moment. Je sais pas pourquoi je jette tout le charbon de bois en fait. Je crois que ça sert à rien. Hop, 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 hop. Le feu! Parfait. Ça a mis que 50? Non, mais tout. Je m'en bats les couilles. Ah! Voilà! J'aurais trop parlé comment samedi, moi. Je t'ai respecté à ce que je sais. Je suis pas nerveuse, mais disons que quand on essaie de venir manger son ventilateur, je m'en détends. Ah oui. Mais oui. Le respect, c'est primordial chez toi. C'est pour ça que tu vas sur un live et tu parles à des gens que tu connais pas et tu leur demandes direct le numéro parce que c'est des pseudos à type féminin. C'est quand même bizarre, non, comme approche. T'es pas d'accord? Tu trouves pas ça étrange, toi? Je trouve ça un peu bizarre. Après, c'était que mon avis. La. Bon. C'est quand même fou qu'on puisse pas crafter une torche. C'est quand même dingue. C'est primordial dans Rust des torches. Pourquoi on ne peut pas les crafter, quoi? Complètement con. C'est complètement con. Et ce sac du couchage, il sert à rien. Pas de dormir dedans, on peut rien faire. C'est juste un putain de sac de couchage. Je suis vraiment ravi d'avoir crafté ce truc, quoi. J'aurais dû faire une double porte. Double porte. J'entends des sons, c'est bizarre. Alors faire une jupe, non, pas très utile. T-shirt à manches longues. Alors c'est pas vraiment la saison. Sac à explosif, putain. Marteau de récupération. En fait, il va falloir que je trouve du ces fameux métal là, truc de métal machin là. Porte blindée. En fait, ça sert à rien que j'apprenne ça parce que de toute façon, j'aurais pas les matériaux de le faire. Des volets! Ah! Ça, c'est bien! Ça, je vais en faire 5. Je vais en faire 3. On va faire 3 volets. Voilà, ça, c'est utile. Bah écoute, je vois pas ce qu'il y a d'agressif dans ces paroles. Après, si c'est mal interprété, c'est sûr que ça peut être mal pris. Écoute, tu es sur l'internet mondial. Ce que tu diras sera forcément mal interprété en fait. Y a pas le ton quand tu parles sur internet. Donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que c'est sûr que des fois, ça peut être voilà, mal interprété, exactement. Mais bon, après, si toi t'as rien à te reprocher, voilà quoi. Ah, par contre, voilà, je peux pas poser des volets en bois sur le truc en pierre, c'est ça l'arnaque. C'est ça l'arnaque, donc là je suis en train de crafter 3 trucs pour rien. Putain, mais quel jeu de merde. C'est mal fait, hein. Pourquoi je pourrais pas foutre un volet? Pourquoi? Quel est le fuck? Pourquoi je peux pas mettre un volet? Pourquoi? Et est-ce que si je fais genre. Je suis sûr que si je fais un truc genre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça.
Ça marche même pas? What the fuck? Oh! Je sais! Ah, mais oui, j'ai compris. J'ai compris la logique de jeu. 1-1. Fenêtre! Un mur avec un trou. Putain, mais du coup, c'est mort, je peux pas en mettre. J'en avais pas mis à la base. Je suis un connard! Oh non, mais quel con! Est-ce que je peux détruire quelque chose? Est-ce que je peux... Faire pivoter. Non! Faire pivoter? Je peux faire pivoter. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, pivoter. Mais non! Mais du coup, je peux pas détruire. Ah putain. Ouais, je peux éteindre ça. Le jour est en train de se lever. Parfait! Bon, je lis plus votre truc. Ça a l'air pas intéressant. Attends, je vais lire. Je suis mal vu. Mais non, tu es pas mal vu. Mais il faut faire attention, c'est tout. Je sais pas si t'es qu'à la dame du grand chef. Voilà, c'est ça aussi. C'est que. T'as pas eu de chance, on va dire. T'as pas eu de chance. Mais t'inquiète, c'est pas grave, on peut quand même t'accepter, y a pas de souci, tu vois. Mais voilà, fais attention à ce genre de choses. Les gens de YouTube, après cette nuit riche en péripéties incroyables. J'ai pas ce qu'elle a, mon d'ailleurs, follower, les bonnes Sarah, merci à toi. Gorim le bagarreur, le baragueur, j'allais dire. Merci à toi de rejoindre la confrérie des Unraves Alcooliques. Bienvenue à toi dans la famille, ou. Et du coup, oui, YouTube, on se retrouve très vite pour la suite des épisodes. Nous, on va continuer en live. Je vais pas recorder la suite. C'est pas grave. Ciao, YouTube. Salut.